Para el concierto de la
اللهم صل على سيدنا محمد النبي رمي الله عليه وصحبه وسلم اراي كنا الله جسد ده هو اللي دو نو هم بيقولوا توجد ده ما كون دو امام اوا اراي كنا الله جسد ده هو اللي دو ني كونتيني ديليغاسيون مون دو اراي تيجي تيجي يوم مكو با ده ليندين نو دو غاساي ده امين ده بين hande haray ko manki do tawata ala do to moko ba men on alaji mamar seddo dalen jallo kono non haray bo yimmini do ciukkito be makko buy e yeso be buy li a parti di hebbiti di fo won e teppirande fi num dal e folgal e gonga yo tabitu e leydi ndin e societe civile e syndicat yettube nden faandare dum hikkini yeso haray dem don no do haray ko hewtini delegation on ga nona ji saydu holliri non ko bañen hawtu ko waɗi ɗo kom haray suka min on ɗo no makirɗon noon yo Allah waɗumo yalɗo sayidi haray ko fi ko gañi leyndin fof woni ko sahimbinimo haray en temƴinino suga ɗum ɗo wattata ma ɗum le yawata wattude battane konnguɗi hollaɗi ɗin le 5 septembre battane engagement ji ƴettaɗi ɗin en temƴinino fittanayɓeen gonɗi ari en temƴinaki ko wullinayɓeen ari kono noon haray ɗum ɗo kadi holli mana mum on haray si tawi min hewti ɗo ko andingolɗen hiɗen wondi andina en koyen fof heeɓi sohla o koyen fof hawti sohla o
be tinu don do e be omtinaadi do haray o delegation do ko delegation mawdo no mi holliri non ko moko baade leede ndi won do gombe e tipirde fi yo non dal e gonga tabitu fi yo leedi men do woni leedi uttu haray ko watti e ko hollete do kom meden tori beengure den baytum o hina e tiangol woni ko luttoy ma dum hina nawnu do feddini do ko fi ko enete kom cause commune woni ko lutti haray meden tori yo beengure den newnu hauten haaju on ha ka watti golmo mi yo beengure den newnu hauten haaju on nabi den haray hauti den en ko watti nen o do ara en haldi de meden andi ko e namu me'en juldo sebi fure sagu mum o watti nay kisan tippude ko l'islam o wi kom ko non non haray si ardi wanoni kadi ko buri e mojjude ko yo dum do wonan en misal wonana en sombo yo donko kos suga dum do ka leedi men do okkem mo kadi e wattande mojjude jama lagine on fo sedo on nani presse nationale internationale fo yowti fi o suka men sahib binado do presse on no do presse internationale no do nyande kadi o wattinte adna on fo sedo dum do wadi ka leedi men lagine do hidem tamjini dum do wona e sombo ko surani en sakkano suka be men heddi be fi ko arata ko donc haray e hore de be timu don do fo me watti kadi salminango president sellu galem yotto e be mure den yotto e bolonda on yotto e tolo dan ko haray ko dum men falno yotinde men hewtina yeso be ko ngoni din woda ko be beedi fi e dinde mo jobe yobbe do be wasala le mouvement politique l'ANAL, au nom de notre président, le président Sylvie Dalin Diallo, nous sommes ici pour être à vos côtés. Pour être à vos côtés, parce que ce qui est arrivé n'est pas arrivé seulement à vous, c'est arrivé aussi à nous. Tiano n'est pas que votre fils à vous seul, c'est aussi notre fils, c'est aussi le fils de la Guinée. C'est un enfant de Guinée qui est malheureusement tombé. Et c'est dommage que les gens continuent, surtout des jeunes, continuent à tomber dans notre pays pour une envie de vivre, pour rien du tout. Personne ne doit tomber simplement parce qu'il veut exprimer une opinion. On a appris que la balle l'a touché dans un salon de coiffure. Même s'il était en train de manifester une opinion, il n'avait pas droit de mourir pour cela. Je crois que c'est aussi pour cela que nous nous battons. Pour qu'au niveau de notre pays, personne ne meure parce qu'il est en train d'exprimer une opinion. Nous sommes obligés, malheureusement, de continuer à mener ce genre de combat au 21e siècle au niveau de notre pays pour que, in fine, nos populations, nos enfants puissent exprimer ce qu'ils veulent pour le bonheur de notre pays dans le cadre de la démocratie stricte. Donc, encore une fois, nous vous présentons les sincères condoléances. Et nous sommes assez meurtris par ce qui s'est passé. Et vous devez savoir que nous sommes ensemble, nous sommes avec vous. Et que la terre de Guinée, qu'il s'apprêtait à servir, parce qu'on apprend aussi qu'il devait passer son examen tout récemment, lui soit légère. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Nous sommes là au nom et au compte des partis politiques qui composent le G58, RPG, Arc-en-Ciel et Alliés. En quelques mots, au nom de la classe politique guinéenne, au nom du comité d'organisation pour la reconstitution des forces vives de la nation, dont les premières activités ont été lancées hier à l'hôtel Mariador Palace. Nous ne sommes pas là dans un cadre seulement politique, mais aussi social. Le jeune qui a perdu sa vie, il n'était pas dans les manifestations. Il était juste dans un lieu
pour un autre objectif. Cela peut arriver à d'autres Guinéens. C'est pourquoi d'ailleurs, nous Guinéens, de quelque bord politique que nous soyons, nous Guinéens, de quelque pensée ou idéologie politique que nous développons, ne serait-ce que pour ce dénominateur commun, la Guinée, nous devons nous donner la parole. Lorsque cet objectif de mise en place des forces vives de la nation sera une réalité, lorsque les élections transparentes, crédibles et équitables pour tous seront organisées, quel que soit le président de la République, il sera élu et sera le président de tous les pays. À ce prix donc, c'est une occasion opportune d'inviter l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des entités sociales, syndicales, pour que les Guinéens que nous sommes, nous nous mettions ensemble. C'est dans ça qu'on pourra tirer notre intérêt commun, qui pourrait être un intérêt général. Une fois encore, nous venons pour présenter toutes nos condoléances à la famille, à ses amis, à ses collaborateurs, à ses connaissances, et dire plus jamais ça en Guinée. Cela ne peut se réaliser que lorsqu'on se mettra en place. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous parlons au nom de l'UPP, l'Union des partis politiques pour une transition apaisée, membre du G58, RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Donc, au nom de cette plateforme, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Touré, que Dieu lui donne du paradis et qu'il trouve le bonheur parmi nous, qui nous a quittés. Et je ne saurais terminer sans condamner de façon ferme, avec la vigueur, l'assassinat crapuleux qui a eu lieu contre cet adolescent qui devait faire le BEPC. Vraiment, c'est regrettable. Ça remet en cause aujourd'hui l'état de droit et de la démocratie, l'état de droit et de la pluralité politique dans notre pays. C'est à cela que nous vous invitons tout un chacun à resserrer les rangs et à développer l'esprit de cohabitation et de cohésion et faire en face devant le CNRD les forces vives de la nation qui vient d'être créée, que ce soit une aubaine pour nous, que ce soit une interlocutrice face au CNRD, face au gouvernement, face à la CEDEAO et à la communauté internationale. C'est à ce seul prix que nous pouvons sortir de l'auberge. Je vous remercie. Votre nom? C'est Alphysène Makassouba. Je suis conseiller politique du Parti Guinéen de la Renaissance, membre des forces vives du comité d'organisation des forces vives de la nation, et en même temps membre du G58 et RPG Arc-en-Ciel, membre de l'Union des partis politiques pour une transition apaisée, l'UPP. Je vous remercie. Merci. C'est bon. Au nom de la société civile et du syndicat, je prends la parole pour l'attrister, c'est vrai. Que notre espoir était qu'on ne se serait jamais, plus jamais rencontré à l'occasion de telles choses. Parce que promesse nous avait été faite par les nouvelles autorités. Donc, c'est avec un profond regret et une consternation que nous prenons la parole pour dire non seulement à la famille que nous partageons, la famille est glorée, nous partageons cette douleur, mais nous sommes aussi attristés par ce qui s'est passé. Parce que qu'il soit dans ou hors de la manifestation, s'il n'y avait pas Valérie, il ne serait pas mort. Donc, nous regrettons l'usage abusif et anormal
les armes pendant les manifestations qui n'ont besoin que d'encadrement, en fait. Donc, nous pensons que la famille, étant donné que le destin est inévitable, comprendra que le jeune devait vivre jusque avant-hier, hier. Donc nous leur présentons nos condoléances les plus attristées et émues. Que Dieu, dans sa miséricorde, implore la grâce de la défunte et que sa juste récompense soit le royaume du paradis. Au nom donc des syndicats et de la société civile, nous demandons à la famille d'accepter de partager ces moments avec la diversité sociopolitique du pays, ce que Dieu a voulu pour le défunt. En tout cas, nous sommes entièrement à la disposition de la famille et le reste des funérailles. Et nous lançons un appel pressant à tous les acteurs des différentes entités ici présentes pour que, avec rigueur, nous condamnions de tels actes, afin que plus jamais ça, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons plus besoin de ça. Et nous avions espoir que cela, ça ne se serait plus reproduit. Donc c'est le message que j'avais au nom des syndicats et de la société civile. Que Dieu pardonne le défunt et qu'il soit, comme on le dit, vraiment notre pote à l'au-delà. Merci. Votre nom, pourquoi ? Je suis Boubacar Bilo Bali, secrétaire général du syndicat de l'Ordre. Merci, monsieur. Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
une des musulmans, une des familles. Il n'a pas besoin de se dire. Okay, so I'm going to demand the message of 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 the message of